Et on est reparti. Jacob Batfic. C'était vraiment ça pour sprinter. Marcus Un panneau Pensai. indicateur, ça aide ceux qui sont nuls en orientation à se repérer. Je t'emmerde. Voyons Mais voir. il vient de pisser. Il a marqué son territoire. J'oublie que c'était un animal. D'accord, je suis là. Ah ouais, donc je sais pas s'il reste des humains, mais ou soit il y en a, hein, mais soit ils sont morts. What the fuck? Wow! C'est un démangement de ça, à mon avis. Ah putain, il a la classe par contre. Voilà sans doute le mange-monde qui a dévoré la patte du fossile. Vous allez devoir trouver un sacré stratagème pour terrasser cette bête. Ok, donc les mange-monde, c'est des grosses bébêtes. Hein. Des méga mutants. Là, un survivant. Il est réjouissant de voir qu'au moins une personne. Il a entendu des histoires à propos des mange-monde et du chaos qu'ils sèment dans les autres enclaves. Mais il ne s'attendait pas à ce que l'un d'entre eux vienne jusqu'ici. Il craint qu'il Quoi qu'il en soit, il a besoin d'aide. Il dit que c'est. Je vais l'aider. Il est heureux de. Ah, une graine de lumière germe en toi. Qu'est-ce que ça a de si bien, la lumière? Ça fait mal aux yeux. Pas autant que de te regarder, toi. Toujours les attaques personnelles avec toi. Assume que c'est un conflit entre toi et moi. Dégage. Et arrêtez de vous bagarrer devant moi. Point psy débloqué. Par contre, ça rame parfois. Revoilà le fossile. Il a dû rater quelque chose d'important. Ouais, t'as raté un des mange-monde. Par contre, je sais pas c'était lequel. Le fossile dit que vous auriez plus de chances contre les mange-monde avec l'appui d'une tribu. La tribu Myriade sera sans doute un bon soutien. La musique en fond est cool par contre. Ce ne sera pas simple, car le conflit. Ah merde, d'accord, ils sont en conflit. Les Myriades ont compris qu'il fallait arrêter les mange-monde lorsque les Léviathans sont sortis des profondeurs de la saline. Donc les Dans monstres un de monde base, fragmenté les comme l'est originaux. le nôtre, épouser le mouvement d'unification des Myriades peut sembler couler de source. Mais est-ce vraiment la bonne décision? Une chose est certaine toutefois, la destinée aura le dernier mot. Mais ça veut dire qu'il y a plusieurs fins? Alors, bah, je vais aller les voir. La tribu Jagni n'a qu'une seule conviction. L'équilibre du monde doit être préservé en éliminant les faibles. Bon, ok, je vais Ils aller voir pensent les qu'une myriades. opération est nécessaire pour sauver le monde et veulent laisser les mange-monde abattre l'arbre de vie. Non, Cela ben, dit, vous allier au Jagni n'est pas un mal en soi. La destinée trouve toujours un chemin. Je les emmerde, les Jagni. Le fossile dit que quelqu'un doit les sortir de cette impasse et faire. Bon, je peux y aller, merci. Putain, il y en a plusieurs en plus. J'avais gagné un point de psy. D'accord, c'est ça. Je vais peut-être attendre pour avoir utilisé un pouvoir. Encore un croisement. Le tunnel ou le pont, à vous de choisir. À gauche c'est les Jackie, donc les connards, et à droite, moi c'est les Myriades, donc les gentils.
On va aller à droite. Oh, Sifu. Sifu, ça veut dire maître en chinois. Voilà. C'est étonnant qu'un tunnel naturel comme celui-ci existe encore. La plupart ont été inondés. Une bonne estafilade. Et là, ils sont niveau 3. Dégage. Bonjour, bonjour. Ah, des fleurs. Prends ça. Je déteste les fleurs. Cet endroit était magnifique avant que la guerre tribale n'éclate. C'est des tranchées, ça. Regardez ce qu'il est devenu. Une zone de guerre. C'est des tranchées, les mecs. Et quoi? Armure plus 10. Et ça me donne de l'armure, je prends. Je sens qu'on y arrive. Ah ouais, eux, ils font très... Voici la forteresse de la tribu Myriad. Seront-ils amis ou ennemis? Allez-y, et vous le saurez. Amis, je pense. Oh, excusez-moi, je pisse. Voilà. Voyons voir. J'avais trop bu. Ce chemin va droit vers la porte. Si vous l'empruntez, vous avez intérêt à faire une entrée fracassante. Bonjour. Se méfie des étrangers. Ils sont en guerre. Oh bah plus tard. Dis que c'était intéressant de discuter avec vous. D'accord. Attendez. Dis qu'il se méfie des non-alliés. Je vais voir ton Sifu. Pense que vous devriez simplement mettre une patte devant l'autre et vous frayer un chemin jusque là-bas. La tribu est toujours prête à accueillir de nouveaux visages. Bonjour, bonjour. La tribu Myriad cherche à comprendre le bien commun et respecte un code d'honneur. Elle pense qu'unifier les tribus est le seul moyen de restaurer la paix. Mais oui! C'est ça, il faut tous s'allier contre les Mange-Monde. Wow! La tribu Sifu est persuadée que vaincre les Mange-Monde et sauver l'arbre de vie est la seule manière de rendre le monde meilleur. Il vous souhaite la bienvenue dans le fort des Myriades. Toutefois, il espérait que vous viendriez. La rumeur d'un... Attendez. Il a entendu dire que vous avez déposé un fossile contre les pillards dans le bunker 101. Excusez-moi. Vous semblez du genre à aider votre prochain. Une chose que vous avez en commun. Mais oui! Votre attitude lui rappelle votre jeunesse. Il sent que vous avez toujours un cœur gros comme ça. Le Sifu dit qu'il arrive qu'un souvenir en fasse ressurgir un autre. Ma maman ? Votre maman a inventé le Wong Fu. A l'origine, c'était un art martial dédié au combat à main nue et à six armes. Le boomerang, le shuriken, l'arc, le bâton, le nunchaku et la chaîne à crochet. La tribu Myriad veut unifier les tribus. Elle cherche à comprendre le bien commun et à établir un code d'honneur. Si vous pensez qu'il y a de la bonté en chaque personne... Je veux les rejoindre. Il espérait que vous les rejoindriez.
Le Sifu attendait qu'un heureux événement fasse pencher la balance en sa faveur. Avec vous à ses côtés, il est persuadé que vous pouvez unir les autres tribus. Il veut... Blablabla, oui, je vous rejoins, je veux combattre les Mangemondes. Alliance avec la faction Myriad, ça c'est fait. Ces semblables n'ont plus le choix et sont au pied du mur. Même vous devez capturer les avant-postes ennemis et affaiblir leur tribu suffisamment pour affronter le Sifu rival dans sa forteresse. Ah. Bon bah let's go alors. J'avais tous les butés. On va commencer par ces connards de Jagni. Alors les Jagni, ah ouais, c'est littéralement des samouraïs. Bah c'est eux qu'on avait vu tout à l'heure. Vous êtes tous deux des esprits nobles. Faisons donc la guerre avec noblesse pour qu'elle rapproche. Vous dites de ne pas avoir peur. On ne peut vous priver de votre destin. Capturez les avant-postes ennemis. Lorsque vous en aurez terminé avec les avant-postes ennemis, vous affronterez leur Sifu pour unir leur tribu à la vôtre et vous permettre de partager à nouveau cette terre. Vous voir fait ressurgir des souvenirs du vieux village. Encore un flashback. Il se souvient. Ah mais c'est bon là. Mais je suis désolé de passer, mais bon merde à un moment. Bon allez, on va aller capturer les avant-postes. Bah j'ai cru voir que c'était de vieux fossiles. Pardon. Le vigile vous souhaite la bienvenue dans le fort. Ce sera tout. Ce sera tout pour le moment. Traverser la grotte. Donc c'est là où je viens d'arriver en fait. Et là c'est beau hein, il n'y a pas à tortiller, c'est beau. Et la musique est calme et douce. Je me demande ça va être quoi comme musique contre les boss. Contre les mange-monde. Les ennemis. Voilà, c'est quoi ces machins? Voilà. Je sais pas si j'ai visité votre village d'enfance, d'accord. What the? Faites attention, il y a un mample là-bas. Ils ont été durement touchés par l'évolution, surtout les bancals, déformés et sans fourrure. Viens! Hop là, raté! Raté! Problème réglé. Il va me falloir une meilleure arme. Avalanche de plomb. Il y a presque plus de vie. Nice. Nouveau niveau. Alors... je vais me la mettre en chance. Après je mettrai sur la force et sur le charisme aussi au cas où on sait jamais. D'abord je vais faire le charisme. On sait jamais hein, peut-être j'aurai des dialogues plutôt pas mal. Ah ouais quand même.
C'est un mangement qui a fait ça ou c'est la guerre? Le temps n'a pas de prise sur cet endroit. Et vous ressentez comme une sorte de picote. T'as mis la ferme. C'est bon là, il m'a saoulé le narrateur. Voyons voir. Oui, on en est où? Alors. Moi je suis là, les connards ils sont juste là. Avec le temps, les souvenirs s'effacent. Et parfois les sentiments... Ah non, c'est bon en fait. Oh, j'ai pas le temps moi. Des échos d'un passé révolu, comme des chuchotements dans le vent. Blop. Il se demande ce que vous avez fabriqué. Et il espère que vous avez été au lac pour vous entraîner à nager. J'aimerais bien apprendre à nager. Il pense que vous devriez savoir nager depuis longtemps. Bah oui, apprends-moi à nager, tiens. Et qu'est-ce que tu fais? Ah mais ça me consomme de l'endurance. Il dit que ce n'était pas si difficile, finalement. Voilà, c'est l'esprit. Ne laissez pas le bruit des vagues faire sombrer votre esprit. Vu le regard que vous lance votre moment, on dirait que vous avez oublié quelque chose. Vous aviez promis que vous vous entraîneriez avec elle avant le coucher du soleil. Il est temps de vous y rendre. Désolé. Vous savez bien qu'on ne rattrape pas le temps perdu. Vous devriez savoir que la perfection n'est atteignable que par la répétition. Désolé. Elle vous retrouvera sur la place du village. Elle dit que c'est une bonne chose. Quand on aime apprendre, on ne cesse jamais de grandir. Toi, je vais pas te voir très longtemps, je sens. Voilà un autre museau familier. Gizmo. Il a l'air préoccupé. Espérez que vous pourriez l'aider à récupérer du matos pour un truc bidule sur lequel il travaille. Notre devoir. Il pense que vous êtes vraiment le produit de votre environnement. Voilà, réaction des déchets. Il se demande si vous avez trouvé quelque chose d'utile. Il dit qu'il n'y a pas de petites contributions. Il peut faire des merveilles avec tout et n'importe quoi. Rares sont ceux qui acceptent de faire ces petits. Il adorerait vous apprendre à transcycler. Voilà. Mon épée est plus forte. C'est du beau boulot. Mais il se demande pourquoi... Il pense que votre prévenance vous aidera à atteindre la paix intérieure. Il a... Bon, tu me lâches Gizmo maintenant. On dirait qu'elle commence à perdre patience. Ah merde, bravo Gizmo, t'as vu le résultat? Vous savez qu'elle n'aime pas attendre. Elle vous attend. Dans ce cas, vous avez une bonne excuse. Vous prenez la responsabilité d'empêcher qu'on saccage la nature et l'environnement. Voilà votre destinée. Ah d'accord. Elle veut que vous grandissiez et que vous commenciez à... Elle n'en demandait pas plus. Savoir que vous... Vous avez toujours suivi votre propre voie. Mais cette fois... Ça faut vraiment que j'aille l'avant maintenant. Oh non, vous voulez quoi, vous? Attention, ils n'ont pas l'air de plaisanter. Il vous dit... Il se demande donc pourquoi vous cherchez ici. Ils ne vous laisseront jamais passer.
Faga, Saloto. Il vous demande pour qui vous vous prenez. Eia et Faga, Saloto. Ils se poussent à devenir meilleurs et parfois se font tomber en cours de route. Non mais... Tu veux te battre, ok, voilà. Je sais pas si t'es conscient, mais je suis bien plus fort. Tiens. Gage. Eh mais j'avais gagné. Se demande si vous souffrez. Que s'est-il passé? Si la confiance est silencieuse et le doute bruyant, alors elle pense que vous avez parfaitement raison. Ah bah tiens, je prends que les bonnes décisions. Le plus important, c'est que vous alliez bien. Ouais, mais par contre, j'ai plus mon arme. Il est temps de vous concentrer sur votre entrée. Oui, d'ailleurs, on va vraiment y aller maintenant. Voilà quelqu'un qui vous est très cher, en train de faire ce qu'il sait faire de mieux. Il demande si vous pourriez l'aider aussi avant d'aller vous entraîner. Il aimerait que ce soit aussi le cas pour votre moment. Mais guider le village et enseigner le Wong Fu à ses disciples semble de plus en plus. Il vous conseille d'y aller et de lui trouver des idées et des gadgets pour transcycler de vieux tissus. Corvée de linge. Super, merci, enfoiré. Merde. Elle est où l'autre pile? Putain, elle était là. Il est carrément pour le renouvellement. Et à... Bla 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 bla, c'est bon, vous me saoulez tous. Et maman va encore arriver. Vous devriez. Ah non, même pas cette fois. Votre maman vous dit qu'il était temps que vous arriviez. Veut que vous compreniez que tout est possible. Elle dit qu'elle a hâte de commencer. Qu'il ne reste plus beaucoup de temps avant le coucher du soleil. Désolé, j'ai aidé tout le monde. Bon, on peut arriver à la catastrophe. Votre maman vous dit que vous avez bien progressé aujourd'hui. Elle est si fière. Je ferai mieux la prochaine fois. Elle ne demandait pas plus. Vous devriez aller voir ce dont il s'agit. Vous l'avez. C'est un cadeau. Ah. Il fume la chicha. J'y crois pas. La bonne étoile. Viens ici, copain. Attrapez l'automate. Les chaînes de Dromède. Votre maman dit qu'elle n'a jamais vu un appareil aussi vert que ce petit machin. C'est... Ce genre... Cela s'appelle un automate. Et il est relié à votre ADN. Il vous suivra où que vous alliez et amour. Vous avez de la chance de l'avoir à vos côtés. Votre maman vous dit que vous avez l'air épuisé et que c'est tout à fait normal. Elle se réjouit de voir que vous en avez profité au maximum. Reposez-vous et vous trouverez assez de force pour demain. Non, c'est maintenant que ça va devenir la merde.
Voilà. Tiens, tiens, c'est le mec du début. Lupin Lupin de mettre le feu au monde. Lupin Lupin. Votre moment vous enjoint d'ouvrir la voie. Une branche brûlée apprend à redouter le feu. L'enfer de Lupin Lupin. Aïe! Ça ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Putain, il aurait dû crever là à ce moment-là. Encore hop là. Un dernier éclat et vous y arriverez. Votre moment vous dit que ça y est, le temps est venu. Elle doit affronter lui. Quoi qu'il arrive, vous devez vous souvenir qu'elle... Le voilà, le passé qui vient hanter le présent. Aïe, mais il va me défoncer. Prends ça. Prends-toi ça. Un coup de Wong Fu dans la gueule. Dans les pieds, là, plus grand. Vous devez passer par le feu et l'eau pour y arriver. Ah merde, mais il m'a chopé. Votre maman dit que si vous y croyez, vous pouvez y arriver. Là où elle va, vous irez. Les liens du sang sont plus forts. Vous êtes en plein dans la saline. Ne faites pas de vagues. La saline va où elle veut. Laissez-vous porter par son courant et elle vous ramènera sur le rivage. Ah merde. Elle va pas y arriver, elle va pas y arriver, elle va pas y arriver. Merde, putain, je me gratte la tête. Oh putain, je reviens si sérieusement. Allez, on recommence. Je suis prêt à esquiver. Non, c'est bon. La mort n'est pas redoutée par celui qui a vécu avec un cœur pur. Une partie d'elle vit en vous. La créature a encore faim, et plus rien ni personne ne se dressera sur son chemin. Non. Si un sacrifice est fait pour autrui, il n'est pas perdu, mais transmis. La vie doit suivre son cours. Les vrais sacrifices sont faits par amour et nécessité, lorsque toutes les autres options sont épuisées. L'ultime épreuve de conscience est la volonté de tout abandonner pour sauver ce qui est vraiment important. Merde, il arrive! Ce que vous faites pour vous-même meurt avec vous. Ce que vous faites pour les autres reste et vous rend immortel dans leurs souvenirs. Tandis que le moment passe et se perd, seule la solitude demeure.
Ce qui ne signifie pas que vous oublierez votre passé, mais simplement qu'il est temps de tourner la page. Ah ouais, l'artisanat, je peux améliorer mes trucs. Ok, je peux l'améliorer. Je suis pas sûr que je peux améliorer quoi que ce soit en fait. Bon, non, en fait, non, je peux rien améliorer. Waouh! La tribu a attrapé un gros toutou. Attention, son nom est trompeur. Mais sans blague, vu la tranche du monstre là. Il a réussi à s'échapper. Gros toutou en liberté. Attention! Attaque! Voilà! Voilà, mais. C'est Salon qui fait ça en fait. Ouais, j'ai fait un coup critique. Il a presque plus de vie. Oula. Wouhou. Aïe. Ça par contre je me suis pris dans la tranche. Et hop, je suis niveau 4. A entendu dire qu'un Ronin avait rejoint leur rang. Un groupe de croisés. Vous devriez vous y rendre sans attendre. Et les aider. Vous comblez un manque en eux. Ouais. Bon, je vais monter de niveau. Hop là, le charisme. Putain, mais c'est quoi ces attaques de taré? Attendez. Vaut mieux que j'aille le faire au combat rapproché. Voilà, je sais pas ce que j'achète, hein. Techniquement, je jouerai normalement. Bon, j'ai un truc à faire.